Wow. Do it! Just do it! Do it! Yes, you can! Hey, salut à tous, c'est Pornage, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Dragon Ball Z pour les petits jeux en vrac. En gros, c'est simple, un nouveau Dragon Ball Z est sorti. Alors celui-là, c'est plus en mode IDLE ou AFK. Voilà, j'ai jamais vu la différence entre les deux. Mais voilà, en gros, c'est simple. Ah oui, petite parenthèse avant qu'on commence. Dans le Play Store, il s'appelle pas Dragon Ball Z, il s'appelle Fighter King. Me demandez pas pourquoi, c'est super chelou. Bref, vous avez une petite équipe. Alors lui là, celui que vous voyez, ah oui, vous avez une petite map. Vous pouvez vous balader sur la map. Je vais être vraiment à 100% avec vous, vraiment à 100%. C'est totalement inutile. Voilà, c'est totalement inutile de ouf. Le principal, c'est surtout de faire les quêtes. Mais voilà, le fait de se balader, en tout cas au niveau où je suis, à l'heure d'aujourd'hui, ça sert strictement à rien. Vous avez une petite équipe. Voilà, Perona. Faut savoir que le personnage principal, on ne peut pas l'enlever. Voilà, quoi qu'il arrive, vous êtes obligé de l'avoir dans votre équipe en sachant qu'il est rare. Avant, il était neutre. Vous pouvez augmenter sa rareté potentielle. Voilà, juste là. Avant, il était rare. J'ai augmenté tout ça. Là, je suis au niveau de T2. Vous savez quoi? On va encore l'augmenter. Boum, voilà. Comme ça, bientôt, là, je pense que quand vous aurez regardé la vidéo, il sera en super rare. Voilà, en sachant que vous pouvez le mettre en SSR+. Ce qui est plutôt cool. Par rapport à mon équipe, il y a le petit Perona, il y a des équipements, il y a un peu plein de trucs que vous pouvez équiper. Il y a Trunks en super rare, il y a Master en super rare, il y a Goku en super rare, et il y a Bulma en super rare. Vous savez quoi? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire des petits combats. Il y a l'histoire, voilà, en sachant que l'histoire, je suis au chapitre 5. Il y a aussi, en fait, plus vous avancez dans le jeu, plus il y a de choses à faire. World, ça, c'est joueur contre joueur, ce qui est plutôt cool. Je suis combien? On est combien? On est 2305e. Ça va, en sachant qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent pour le moment à ce jeu-là. Ensuite, il y a la tour. La tour, c'est simple, un peu comme énormément de jeux. Vous avez des étages. Voilà, je suis à l'étage 30 à l'heure d'aujourd'hui. Et bah, vous vous fightez pour pouvoir augmenter le plus haut possible. Ensuite, on a quoi? On a celui-là aussi, ce challenge-là. En gros, niveau des challenges, vous voyez, niveau 20, niveau 21, niveau 27... niveau 36, niveau 40, on verra ça par la suite, mais il y en a énormément à faire. Vous savez ce qu'on va faire? Comme dans 90% des jeux que je fais sur la chaîne, on va faire un pack opening. Voilà. Je pense qu'on va faire un pack opening. On va commencer directement par ça. Ok. Bon, ce qu'il me faudrait, c'est un SR. Déjà, minimum SR. Mais un SR en mode défense, ce serait cool. Un SSR, ce serait formidable. Je vais pas vous mentir. Ok, super, on a un rare. Et on a un rare. Ok, pack opening totalement pourri. Vous savez quoi? Je voulais attendre de faire la vidéo pour pouvoir faire un truc. Pour pouvoir faire une chose. Recruter un SR ou un SSR+. On va faire x1, il faut 280. J'ai 3000. J'ai 3969. On en fait 3? Ah les gars, là on en fait 3, vas-y, on va pas se... On va en faire 3 directement. Ça coûte cher. Hein. Je vous avoue, je ne l'ai jamais fait pour le moment. C'est la première fois que je le fais. On va voir ce que ça donne. Donne-moi des trucs de ouf. S'il te plaît. S'il te plaît. Vous foutez de moi. Voilà, vous foutez de moi. Mais c'est quoi ce délire? SR. Ok, on a Android 19 en SR. Ouais. Ouais. Picon en SR, en sachant que je l'avais déjà de mon côté, donc c'est bien, mais c'est pas non plus folichon, folichon. Vous savez quoi? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire des petits combats. On va faire un de chaque, je pense très fortement. Déjà, on va aller dans l'histoire. Dans l'histoire, je pense que là, j'ai toutes les étoiles, 30 sur 30, 20 sur 30. Voilà, là, j'ai absolument pas tout. Donc, vous savez quoi? On va se faire un petit fight assez facile à un endroit où j'ai pas toutes les étoiles. Tiens, là, il m'en manque deux. On va faire celui-là. Allez, yallah, on va faire celui-là, on va pas s'embêter. On va mettre en x2. x1, c'est beaucoup trop long. Et x3, c'est un peu trop rapide. En bas à droite, vous avez les petites compétences. La première compétence à 25, ça fait une petite attaque sur un mob en face. La deuxième, ça fait sur les trois mobs qui sont derrière.
La troisième. On va faire la troisième. Bah, la troisième, c'est ça. Ça donne du shield à 3 personnes. Et la quatrième, ça augmente la puissance de 3 personnes. Ce qui est plutôt cool. Ah non, il y a 2 vagues. Ok, je me suis dit, c'est incroyable comment on l'a passé facilement. Voilà. Il y avait 2 vagues. Il y a Vegeta au milieu. Vous savez quoi? On va voir ce que ça donne. Normalement, on est censé passer. Après, le truc, c'est qu'il faut que personne meure dans notre équipe. Perona. Perona qui fait absolument aucun... Voilà, Perona, il fait aucun dégât. Il est que en rare pour le moment, donc je vous avoue, il fait... Genre, au niveau des dégâts, il est un peu pourri de ouf. Mais le problème, c'est qu'on peut pas le changer. Ok. Normalement, ça va passer crème. Je dis bien normalement, personne va mourir. Il est sérieux, lui? Ok, d'accord. Je pense que ça va passer crème. 14 000, 13 000. C'est magnifique, ça. 18 000. Vegeta, il fait quand même mal, on va pas se mentir, franchement. Par contre, là, il va mourir. 22 000, c'était sûr. Avec Goku, franchement, c'était totalement sûr qu'il allait se faire buter directement. Alors, on a un petit coffre. Ouais, pourquoi pas, ça va, c'est plutôt cool. Et ben voilà. Sur cette map-là, je vais essayer d'avoir toutes les étoiles pour pouvoir récupérer la récompense. Alors, attendez, on peut... on va mettre ça sur lui, tiens. Voilà, boum, yalla. Comme ça, on est un peu plus puissant. On a quand même puissance. On a 120 000 de puissance. Ok, pourquoi pas. Ce qu'on va faire, on va faire un petit challenge. On va faire quoi? Vous savez quoi? On va se faire un petit combat d'arène. Pour voir à peu près ce que ça donne. On a 120 000 de puissance. 120 000, 120 000. Wow, c'est quoi tous ces joueurs de ouf? Tiens, voilà. 80 000. Alors attendez, on va voir. Niveau 18, niveau 18. Ok, par contre, les autres joueurs ont le gros au milieu. Je sais plus c'est quoi son blaze, le gros au milieu. Tout le monde a ce mec-là pour une bonne raison, c'est qu'au niveau de la défense, il est... C'est un... Voilà, il est défense de ouf. Il est super relou à buter. Et dans l'histoire, il est encore plus chiant à buter, je vous avoue. Par rapport aux compétences en bas à droite, quand vous faites des combats d'arène, c'est en automatique, obligatoirement. C'est pour ça que moi-même, dans l'histoire, je le mets en auto, parce que... Voilà, comme ça au moins j'ai pas l'habitude de les utiliser. Les combats d'arène, vous pouvez les skip. Voilà, directement si vous avez la flemme de regarder le combat. Là, on va voir pour voir à peu près ce que ça donne. Je pense normalement on va le torcher. Hein. On va pas se mentir, là, il y aura absolument aucun problème là-dessus. Je pense. En sachant que dans le jeu, dans le menu principal, vous avez votre petit personnage. Il y a énormément de récompenses à récupérer un peu partout. Au début, vous allez trouver ça chiant. Mais il y a tellement de trucs à récupérer partout, genre c'est incroyable. Ok, ah oui, en sachant que pendant le combat, on a exactement 20 rounds pour tuer l'adversaire. Que ce soit ici ou dans l'histoire, on en a 20. Moi je vous rassure, je suis jamais arrivé à 10, hein, 10 sur 20. La plupart du temps, c'est extrêmement rapide. Ok, déjà lui il est mort. Ok. Il reste le petit Piccolo qui vient juste de mourir. 5000. Mais donc, l'attaque spéciale, elle est pas très puissante. Hein. Bon, vas-y, petit Perona. Ok, 7000, 7000. Il aurait pas pu mettre le shield d'avant, lui, là. Espèce de Hermal, là. C'est incroyable. 9000, ok. Bah voilà, on est passé crème. Non, franchement, 19000. Oh mon dieu. Bah écoutez, on est passé totalement crème. En sachant que vous gagnez des petites pièces. Les petites pièces. Vous gagnez des petites pièces. Et après, vous allez dans le shop. Voilà. Et vous pouvez acheter énormément de choses, que ce soit avec des diamants, avec les pièces d'arène, avec les pièces tout court. Voilà, vous avez énormément de choses à acheter partout où vous allez. Bon, vous savez quoi? Ce qu'on va faire, on va se faire la tour. Moi, j'aime bien la tour. Je vous avoue, la tour, je trouve ça plutôt cool. Niveau 24. Ok, on va se taper contre elle. Bon, écoutez, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Ok. Le combat va être un peu plus long, je pense. Mais normalement, ça va passer... Normalement, ça va passer crème de ouf. Ok, pour le moment, ça va, ça passe. Ok, par contre, les compétences ici... Ok, on peut ne pas les mettre en automatique. Donc, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez en compétences. Le shield... Non, on va enlever l'automatique. Ok, il a mis le shield. Ah, qui a l'air mal. Pourquoi t'as mis le shield, wesh? C'est la puissance qu'il nous faut là. Il ne faut pas d'armure, ça ne nous sert à rien. Ok.
Pour le moment, ça passe. Il fait quand même pas mal de dégâts, quand même, Perona. Hein. Alors qu'il est seulement un rat, franchement, ça va, ça passe. Ok, la gazelle, elle soigne. Voilà, on va mettre le shield. Allez, vas-y, augmente-nous. Voilà, en plus, il a augmenté tous les personnages qu'il faut. Sauf elle, bien sûr, parce qu'elle est fait que soigner. Ok, bah écoutez, normalement, là, ça va passer crème. Dès que Goku va attaquer... Ok, on n'a pas bien vu les dommages. Ok, déjà, il y en a un qui est mort. L'autre, il est mort. Bah voilà. Normalement, ça va passer. Normalement, ça va passer crème. On va remettre en automatique. Et ben voilà, 19 000. Franchement, c'est plutôt cool. Hein. En sachant que les petites compétences en bas, vous pouvez les améliorer. Vous savez quoi, ce qu'on va faire? On va les améliorer. C'est où? Assist. Voilà, les trucs assist. Vous savez quoi? On va les améliorer. Niveau 6 sur 6. On dit voilà, niveau 6 sur 6. Ah d'accord, faut être niveau 20 pour pouvoir les up. Ah ouais, ils sont tous à fond quoi. Ok d'accord, excusez-moi. Je pensais que je pouvais encore les améliorer. Vous savez quoi? Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller dans l'histoire. Quand vous voulez balader comme ça, vous pouvez aussi voir les autres personnages. Lui là, par exemple, lui là. Viens là, bouge pas, Ermal va. Ok. 79 000 de puissance. Ok. Toi, t'as combien de puissance toi? 137 000. Mon dieu, il y a des gens, franchement, ils sont chauds. Attendez, lui, il a combien de puissance, lui, là? Ah non, lui, c'est un autre truc. Ok, d'accord. Bon, écoutez, on va aller dans l'histoire. On va se faire un dernier combat. Là où j'en suis, chapitre 5, on va aller là. On va voir ce que ça donne. J'ai encore jamais fait ce combat-là. Ok, il y a 40. Enfin, 40. Il y a que eux à tuer. Il n'y a personne d'autre. Écoutez, on va voir ce que ça donne, hein. On va augmenter notre puissance. Ouais, on va augmenter notre puissance. Allez, vas-y, augmente-nous la puissance, s'il te plaît. Voilà. Au moins, ça passe. Bon, par contre, Perona, il a plus reçu la puissance. C'est un peu relou. Ouais, non, on va laisser ça. Comme ça, on va pas s'embêter. Hein. Bon, là, le principal dans l'histoire, c'est que personne ne meurt. Si personne ne meurt, on a toutes les étoiles et ça passe. Ok, d'accord. Là, ça passe. Ouais, je pense que ça va passer crème. Hein. Je vous avoue, l'histoire, ça faisait un petit moment que je l'avais pas faite. Ok. Et ben voilà. Allez, boum. 34 000. Voilà, 34 000. Mais c'est incroyable. Je vous avoue, je pense que j'avais jamais fait autant. Ah, je vous jure, j'avais jamais fait autant. Ok. Récupérer. Au niveau des quêtes, bah, ce que je vous conseille, moi, personnellement, de faire dans le jeu. Voilà, vous cliquez sur les quêtes qui vous demandent. Et quoi qu'il arrive, on a... Hey, on a pas mal de récompenses. C'est comme ça que vous allez avancer extrêmement rapidement dans le jeu. Voilà, donc je vous conseille de faire les quêtes. Alors attendez, le petit Perona, on en a combien? On en a qu'une seule. Allez, boum. Voilà, comme ça, encore 3 et Perona passe en SR. Et ça, c'est plutôt cool. Bon, vous savez quoi? Je pense qu'on va s'arrêter là pour le moment pour éviter que la vidéo dure 30 piges. Mais franchement, un jeu plutôt cool. Alors vous allez regarder la vidéo, ça fait à peu près une journée, 2 jours. Ouais, j'ai découvert ce jeu-là. Vendredi, en sachant qu'à l'heure où vous regardez la vidéo, on est dimanche. Mais ouais, franchement, je trouve ce jeu-là plutôt cool. En sachant qu'il y a, bah, il y a l'histoire. Après, au niveau des challenges, bah, il y a énormément de choses à faire. Franchement, c'est incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour ceux qui veulent télécharger le jeu, n'oubliez pas, je vous mettrai le lien directement pour pouvoir télécharger le jeu. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Peace. Still a child at the bone, 'cause I never go round. Even though I'm on my own, I'll always be a child at the bone.